Eh bien Cyril, enchanté. On se retrouve aujourd'hui sur notre média How to Bitcoin pour une petite interview. Avant de parler de plein de choses, c'est peut-être que tu te présentes, que tu nous dises rapidement ce que tu fais. Puis après, on va parler de plein de choses super intéressantes. C'est toi la star. Eh bien voilà, moi je suis vraiment un pleb enthousiaste. Arrivé dans l'environnement en 2017, intéressé vraiment au Bitcoin en 2019. Depuis 2019, j'étudie vraiment sur la partie Bitcoin, tout ce qu'il y a à voir. Du coup, j'essaye aussi de participer en tant qu'actif à l'écosystème. Donc, je traduis en français les lettres hebdomadaires des développeurs Bitcoin, du Bitcoin Uptech. Donc ça, j'espère que ça plaît aux francophones de pouvoir avoir accès à ces informations. Et puis, dans le même temps, grâce à la dynamique qu'avait lancée Roxy l'année dernière dans le cadre des Découvre Bitcoin, l'initiative des ambassadeurs, j'ai mis en place le meet-up sur Annecy. Et avec la petite communauté qu'on a réussi à former, on a créé une association en tout début d'année. Donc, on est une petite équipe bien dynamique qui sommes en train de builder sur Annecy pour onboarder un maximum de personnes et faire découvrir l'écosystème, pour ma part particulièrement Bitcoin, et puis plus largement sur l'univers Web3 et toute cette partie-là. Alors peut-être pour ceux qui nous regardent, si on veut participer au Bitcoin Meetup d'Annecy, ça se passe comment? Alors, on a les rencontres tous les premiers mercredis du mois à 19h. On organise ça actuellement au bar Le Craïc, qui est juste derrière la gare, dans l'hôtel Novotel. On a un espace avec, on peut faire des présentations et on va essayer d'avoir sur toute l'année prochaine un planning de formation. Et puis, on accueille aussi le troisième mercredi de chaque mois au même endroit à 19h aussi. Là, c'est une partie présentation, pareil meet-up, sur l'univers plus large. Par exemple, on a une super présentation sur le network state. Donc vraiment pour être beaucoup plus large dans l'écosystème. Et bon, tout à l'heure, du coup, tu nous as parlé des ambassadeurs qui a été mis en place par Roxy et Découvre Bitcoin. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur la démarche globale et peut-être ton rôle aussi au sein de ça? Concrètement, comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Alors, cette initiative, on va dire qu'elle commence à être mondiale. Il y a les Allemands qui font ça depuis très longtemps, qui avaient implanté un nombre de communautés incroyables, avec toujours des bitcoiners qui arrivent vraiment sur un coup de fil, ils veulent faire un truc. Il y a déjà du monde qui est là, prêt à faire des actions. Et du coup, Roxy, il a dit, attendez les gars, nous on est là, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise? On a besoin de se caler, on a besoin de faire découvrir tout cet univers. Et du coup, il a lancé ça et on a été une bonne vingtaine dès le départ à partir dans chacun dans nos petites villes. Et puis, on a passé l'hiver. Le moment, il est difficile. On est quand même en beer market. Mais l'air de rien, de donner un rendez-vous mensuel, toujours à la même date. On a des communautés qui sont autour de nous, à Grenoble, à Genève, à Lyon. Chacun essaie. Bon, Lyon, ça fait très longtemps qu'ils sont là, mais ça permet de donner un point de repère aux gens. Et puis, le fait de le faire comme ça au niveau national, ça commence à bien prendre. Ouais. Je pense aux copains bretons, aux copains lillois, qui, marseillais, toulousains. Voilà, ça a lancé une dynamique. On doit être à peu près maintenant une cinquantaine de meet-up partout en France, dans des petites villes et tout ça. Donc vraiment, on sent qu'il y a eu une envie derrière. Et ça, c'est en train de se reproduire un peu tout dans tous les pays. L'initiative, elle est complétée pour aider les gens à retrouver le meet-up près de chez eux. On a une carte qui est BTC Map, la carte qui permet de trouver déjà tous les commerces à travers le monde qui acceptent le Bitcoin. Et vous avez un onglet Communities qui permet d'accéder à tous les meet-up à travers le monde. Okay. Et tous ceux qui sont au sein de la France. Okay. Et tous les meet-up ont un groupe Telegram sur lequel on peut venir. Et puis nous, on a aussi un Twitter. Et puis on espère que ça va continuer, qu'il y a plus en plus de monde qui va venir. Déjà, de réussir à fédérer en bear market, c'est pas mal. Ouais, si c'est ça. Si en plus, après, on espère, sorte de bull market, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à fonctionner et à se décupler. Hein. On connaît le cycle des 4 ans, on arrive bientôt à la fin, ça va bientôt repartir. Voilà, donc nous, on est en train de préparer pour être prêts. Cool. Voilà, puis je souhaiterais mentionner aussi vraiment la super implication de Prophet du Stream. Okay. Et de Gap Token, qui ont pris l'initiative pour les organisateurs de Meetup. On a créé un groupe pour permettre aux organisateurs de se retrouver dans un espace où on peut avoir des ressources ensemble, partager nos problèmes, nos idées. Okay. Et par exemple, on a défini un programme pour l'année prochaine de façon à avoir quelque chose de cohérent qui puisse
vraiment plaire à tout le monde et qui soit utilisé par tous. Voilà. Okay, c'est super. Donc, on est vraiment dans le consensus social que Bitcoin nous apporte. C'est qu'on crée vraiment des liens avec des gens un peu partout en France actuellement pour cette partie-là. Et puis bah, après, à l'international, puisque quand on va avoir des groupes qui vont avoir une certaine taille, forcément, plus Roxy qui nous fait le lien avec les autres pays. Donc vraiment une initiative qui ne peut que vraiment porter le succès. Ça, on n'en doute pas une seule seconde. Et du coup, pour rebondir là-dessus, peut-être que tu peux nous parler du Be Only. Donc ça va être l'événement que tu co-organises novembre. Ouais. Alors ça, c'est le 3, 4, 5 novembre à Annecy, juste à côté d'Annecy, sur le même format qu'avaient fait nos amis du Bitcoin Economic Forum. 120 personnes enfermées dans un lieu pendant 3 jours avec des intervenants qui viennent faire des conférences, mais dans un petit cadre, ce qui va permettre vraiment des vrais échanges, des vraies questions-réponses, d'aller réfléchir, débattre, d'aller plus loin. Mm-hmm. Bien sûr, des espaces Pleb Forum, c'est-à-dire que bah, ceux qui sont là, qui ont envie de mettre un sujet à l'honneur, et bah, on aura le temps de le faire. Cool. Et puis surtout, bah, va y avoir les soirées, les repas, on va pouvoir vraiment partager tous ensemble. Et si on arrive à réussir aussi bien que nos copains bretons et à remettre une énergie comme on a eu, une pastille orange comme on a eu, franchement, je pense qu'on a tout gagné pour aller faire après bah, d'autres projets encore plus conséquents et que voilà qu'on puisse faire naître des projets au sein de ces petits événements. Peut-être pour le rappeler, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, les dates 3, 4, 5 novembre. Okay. Les inscriptions sont déjà possibles. La billetterie est ouverte depuis le début du mois. Okay. On a décidé de faire un tarif progressif. Donc jusqu'au 31 août, c'est l'équivalent de 189 € payable qu'en Bitcoin. Ensuite, tout le mois de septembre, ça sera 200 €. Et pour les retardataires, les petits derniers, ça sera 210 €. Voilà, ça c'est pour nous aider à pouvoir passer. Mais ouais, c'est sûr que 200 €, nourri, logé pendant 3 jours. Le budget est serré, donc il ne faut pas s'attendre à... C'est déjà très bien. On n'aura peut-être pas le van à Seb. Et puis les speakers, ouais, on a commencé à annoncer les speakers. Donc on a le plaisir de voir David Saint-Onge qui va venir directement prendre son avion pour venir nous voir et puis nous parler de toutes ces monnaies, tous ces shitcoins. Et puis on a annoncé aussi Jacques BTC, on a annoncé Urban. Et puis on en a d'autres à annoncer, on va laisser un peu le suspense. Voilà, mais voilà, on est vraiment, ça va être vraiment sympa. Pour ceux qui sont intéressés, on va mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour les inscriptions, pour des renseignements. Il y a un site, je crois, c'est b-only.org. Okay. B-only. Voilà. Si vous voulez des informations, tout sera dans la description, n'hésitez pas. Et puis, ce sera une occasion de se rencontrer tous ensemble. Je voulais enchaîner sur une petite question un petit peu plus orientée Bitcoin. Si tu devais donner des conseils, bah, nous, bon, on s'appelle How to Bitcoin. Comment Bitcoin, du coup, comment est-ce qu'on devient Bitcoiner? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Nous, on sait que généralement, le moyen le plus simple de comprendre Bitcoin et de tomber dans le terrier, c'est de se rendre compte d'abord des problèmes de notre société, des problèmes de la monnaie, et après, t'en viens à Bitcoin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu vois une autre façon d'y arriver? Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui tomberait sur cette vidéo et puis on a peut-être besoin de... Bah, d'une part, je ne sais pas si on tombe sur Bitcoin. En tout cas, on y arrive par un chemin. Je pense que c'est un parcours individuel. Qu'est-ce qui va déjà te plaire le plus? Est-ce que c'est par là, justement, est-ce que tu vas avoir eu des problèmes avec la monnaie? Est-ce que c'est parce que tu es intéressé par l'économie en général ou parce que tu as entendu parler du minage et puis que tu as envie d'en savoir plus et de comprendre pourquoi c'est une vraie chance pour nous, etc. En fait, peu importe le chemin par lequel tu arrives, ce que je suis persuadé, c'est que si tu fais l'effort nécessaire d'ouverture d'esprit et de tentative de compréhension, forcément, tu vas tout de suite comprendre l'intérêt. Je suis certain que tu vas après comprendre la position des maximalistes et pourquoi ils essayent de défendre et pourquoi c'est important qu'il y ait des gens qui soient là, des garde-fous, sans pour autant avoir besoin de le défendre parce que de par lui-même, il est suffisant à faire une révolution. Voilà. Que chacun fasse son chemin, un petit cheminement, peu importe si tu vas loin ou pas, si tu arrives déjà à installer ton wallet et avoir fait ta première transaction, je pense que déjà tu as gagné. Et ensuite, le bonus, c'est d'aller plus loin et d'essayer de comprendre. Aujourd'hui, il y a des ressources qui sont à disposition en bonne quantité. Je pense qu'on a encore besoin de vulgarisation, on a besoin de traction, des médias comme vous, des personnes comme on va avoir au Bioni qui viennent expliquer, rabâcher, essayer de contrer tous les contre-arguments qu'on peut entendre. Donc voilà,
Si déjà on arrive à installer son wallet et à faire sa première transaction, on a déjà tout compris, déjà à ce que pouvait. Puis après, le bonus, c'est de venir c'est nous rencontrer. C'est ça. Bah écoute, c'était super. C'était un plaisir de discuter avec toi. Bon, c'est pas comme si on discutait jamais. Mais c'est là, sympa. Moi, c'est mon premier passage. Vous êtes mon premier intervieweur. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Super plaisir. Allez, à plus.